c'est Sean Garnier, mon taf c'est le freestyle, mais aujourd'hui je dois faire une impro. Celui qui m'a dit de sortir des mots, c'est bien sûr Oda et Dako. Salut les jumeaux, c'est Coach Sean, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tente ta chance. Qui va tenter sa chance aujourd'hui? On a deux personnes qui font du freestyle, mais pas forcément avec un ballon. Regarde ça. Oda et Dako, on fait pas de freestyle avec le ballon, on fait des freestyles avec les mots. Ok là YouTube, on sait, ouais, aujourd'hui je suis avec Oda et Dako. Ça va ou quoi? Tranquille les gars? Bien, bien. Ils sont chauds, ils sont chauds bouillants. Et ouais, comme vous avez pu le comprendre, ces mecs là, ils freestylent pas avec un ballon, mais ils freestylent avec des mots. Regarde ça. Tout le monde, tout le monde, comme c'est la nouvelle année, on va tous vous gâter. On s'est dit avec Dako qu'on allait distribuer des cadeaux. On offre une gastro à Messi, comme ça il joue pas contre Paris. Mais non, il fera pas de dégâts. On donne même la glacière à Bielsa. On donne une diarrhée à Neymar. On va virer toutes les stars, comme ça Paris est bien. Ils feront même jouer un dauphin. Ils sont capables de freestyle avec n'importe quel mot. Mais avant de commencer avec les mots, moi je suis obligé de voir si vous allez faire de l'urban ball. Là tu nous fais un peu stresser quand même. C'est vrai? La crédibilité est peu... Ah mais tu sais, je vois que t'es en tenue et tout, t'as ramené les chaussures, ouais, tout mais ça. C'est que du bluff. Donc du coup bah je vais vous tester à l'urban ball. En gros je vais vous donner pour le premier challenge un trick à faire. Et puis on va voir lequel de vous deux s'en sort le mieux. Vas-y. Allez. Bon alors le premier trick normal, de la base des bases dans le freestyle et dans l'urban ball, c'est le tour du monde. Le tour du monde, tu prends ta balle autour du ballon, tu contrôles. Tu peux faire des jongles là si tu veux. Hop, intérieur ou extérieur. C'est toi qui vois. Okay. Qui veut commencer? Ceux qui sont... Ah, ok, 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 le premier. Oh non, il est tranquille. Il est tranquille. Regarde, il est au calme. Défi réussi pour la première. Dako, je pense que lui, il a pas de papier, donc pour le tour du monde, ça va. Dako, je vais te faire un tour d'Afrique, si tu veux. Je vais te faire un tour d'Afrique, si tu veux. Vas-y. Tour d'Afrique. Allez, le tour d'Afrique. Tour d'Afrique. T'es prêt? Ouais, ouais, tour d'Afrique. Ouais, c'est au calme, c'est au calme. Il a fait l'Algérie, il est arrivé au Sahara, il a arrêté son chemin. Il est passé par le consulat. Il a joué collectif. Je blesse quelqu'un. Il a joué collectif, c'est bon, c'est bon. Je blesse quelqu'un en partant à l'Algérienne, c'est normal. On va passer à un deuxième geste. Donc en fait, de l'urban ball, c'est un mélange de foot, de basket et de danse. Donc on va passer à un geste basket. Allez, un geste basket, on va prendre un truc très simple, c'est le rolling. Faut juste faire un tour. Ok. Commence par ça, après si je vois que c'est trop facile, j'en fais un autre. C'est là à peu près. Ouais, non, c'est bien, c'est parfait. Ah, c'est au niveau de la tête en fait. Ok. Non, c'est bien, c'est bien. Ah. Bon, ok, non, c'était trop facile, c'est trop facile. Là, il a fait le tour de l'univers. Là, alors, je sais pas comment on l'appelle celui-là en vrai. Mais on va dire c'est le tour du monde basket. Okay. Regarde, tu vois, tu prends ta main comme ça, tu fais un tour et tu la récupères sur le côté. C'est un peu un tour du monde avec la main. Voilà, voilà, exactement, c'est un tour du monde avec la main. Bam. Ah, on est pas mal. D'accord. On est pas mal. Ça, putain. Ah, et en plus, il y a un petit flou quand tu vas en bas. Allez, à toi. Hey, je donne un conseil. Mettez-vous déjà en position de réception juste pour sentir en fait comment ça fait. Il y a encore un petit... Il faut amortir, mais... Voilà, on l'a. Bien, bien. Ouais, c'est fait. Tranquille. C'était du premier coin. Oh, oh, la réponse. Elle a du temps. C'est quoi ça nous amène directement au troisième trick. En fait, ça va être l'enchaînement du tour du monde plus du tour du monde basket, mais avec une petite chorégraphie dans. Ah ouais, en plus. Ah ouais, c'est ça l'urban ball. Là, on passe aux choses sérieuses. Allez. Ça va être un délire de ça. Boum, boum. Et par exemple. Voilà, ah ouais, tu vois, tu peux faire la fin, tu vois, le dab. Tranquille, tu vois, ou je sais pas, Michael Jackson, ou je sais pas, c'est vous qui voyez, tu vois, qui commence. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ok, voilà, challenge numéro 1 accompli. Les mecs, on peut dire sérieusement que c'est des urban ballers. On leur filera leur équipement à la fin. Dans l'équipe, s'il te plaît. Ouais, tranquille. Genre, équipe urban ball, l'urban ballant, au calme. On va passer au deuxième challenge. Et là, on passe notamment à ma spécialité. Ah, j'ai l'impression que ça va passer entre les jambes. Voilà, exactement, comme ça. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé.
couper. En gros, ce qu'on va faire, on va voir lequel des deux tient le mieux en une minute. Ok. Qui fait la meilleure prestation. Allez. Allez, qui commence? Yay. Allez, vas-y. C'est bon. La tune, la tune. Ok, c'est fini, c'est fini. Oh, 4. Je suis fatigué. Après, c'est foutu. Il a une bonne technique, t'as une bonne technique quand même, tu sais faire le V-move. Après, je sais, mais ça va vite, j'avais trop peur qu'il me la remette sous entre mes jambes. On va aller en Algérie directement jouer. Bon, d'un coup, t'as une minute pour essayer de me mettre le plus la misère possible. Ok. C'est bon? C'est bon. Tu fais ce que tu veux, hein. C'est parfait. C'est à la limite, tu vois. Genre. C'était un slow-mo. C'était un slow-mo, pan. Ok, c'est fini, hein. Ah, c'est facile. Tranquille. C'est relou de jouer contre toi, en fait. Il y a une petite touche quand même. On joue au foot à la base. On a joué au foot. Ouais. Ça se voit qu'il y a une petite touche. Après, c'est mon domaine, donc normal. C'est comme normal. Si tu me clashais au rap. Ah. Justement, je pense qu'on va passer à au troisième challenge. Je pense que le challenge que tout le monde attend, celui où je vais vous donner 10 mots de freestyle. Ah. Et vous allez devoir faire un rap, on dit comme ça là, ou comment allez, on dit un freestyle avec une impro. Bon, allez, c'est parti les gars. Ok, bon, on se retrouve pour le challenge final. Les gars, je suis obligé de vous mettre à l'épreuve. Ah. Ah. Je vous ai sorti 10 mots. 10 mots, je vais vous les expliquer un par un. Ouais, parce que. Et tu dois me faire. Tes techniques, nous on connaît pas, tu vois. Non, tes techniques, je le sais, t'as le pied gauche, pied droit, donc là ça va être tranquille pour toi. Okay. Le premier mot, c'est le tour du monde. Ok, tour du monde, tu connais. Ensuite, t'as quoi? T'as le pana. Pas comme je t'ai fait tout à l'heure, un petit pont. Le petit pont, voilà, c'est un pana chez nous. Ok, okay. C'est bon. Ensuite, on a le AK. Le AK, c'est un double contact. C'est un geste qui va l'écarter un petit peu. C'est ça. Ça, c'est un AK. Ensuite, il y a l'éclipse. L'éclipse, attention, je fais la pression. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a Team S3. Team S3, team. S3 Freestyle, c'est ma team, c'est mon crew, c'est mes frères. Ensuite, Urban Ball. Urban Ball, c'est la balle. C'est aussi la discipline mélangeant le foot, le basket et la danse. La YouTubance, c'est tous les YouTubeurs et les abonnés qui nous regardent. C'est eux, c'est nous. Voilà. Okay. Ensuite, le Red Bull Street Style, c'est la compétition que j'ai gagnée, le premier championnat du monde. Ensuite, Coach Ehan, c'est le nom de la chaîne et c'est mon nom sur cette chaîne-là. Et Nori Clutch, en fait, c'est cette figure-là qui est un peu la figure dans laquelle je finis tous mes shows comme ça un peu. Voilà. Ça, c'est le Nori Clutch. Tranquille. C'est à vous. Tranquille. C'est à nous. Ok. D'accord, on a été appelé par Céane parce qu'il sait qu'avec les mots on se pavane. Ah. Aujourd'hui on est venu faire du freestyle en ballon ou en jeu de mots, toujours c'est die. C'est die, on est venu faire du freestyle. Oh. On est mieux que Bruce Willis dans Piégeux de cristal. Non. On a fait ça en moins de 30 secondes et on a commencé par un petit tour du monde. Et je crois que ça on l'a fait à l'aise. Pas autant Céane, il est trop balèze. Ah. Mais quand on arrive, c'est trop la cata. Serre tes jambes, sinon tu te manges une pana. Oh. Je crois que ça fait des gestes techniques. Oh. Aujourd'hui c'était vachement stratégique. Non. Bien sûr qu'on a mis tout ça compact en mode AK, c'est un double contact. Tu sais bien, il l'a fait pépère. Tranquillement, non, y a pas de galère. Oh. Il va te faire du mal comme dans un film X. Tu vas plus rien voir, un peu comme s'il faisait l'éclipse. Bref, journée de malade. Oh. Je vous jure, on vous raconte pas de salade. Non. Peut-être que la prochaine fois, on ira voir toute la Team S3. Tu sais bien, ils sont toujours la représente. Oh. Tu sais qu'on est là, franchement, trop dans l'attente. En tout cas, je crois qu'il t'a mis la gaule quand il a fait monter l'Urban Ball. Genre de technique chelou, je te jure, ambiance pas très relou. Non. De toute façon, aujourd'hui c'est la défiance. On a fait du freestyle pour toute la YouTubance. La YouTubance derrière ton écran. Tu sais qu'on est là pour les petits et les grands. En tout cas, jamais faut que tu te tailles. Je crois qu'il a gagné le Red Bull Street Style. Je te jure, c'était lui le vainqueur. Oh. On le connaît, c'est un mec au grand cœur. Je crois qu'il pourrait tester Zlatan. Lui-même il a dit, je veux voir le coach Céane. Woo.
c'est bien. Il le veut dans sa team. À chaque fois, petit pont, il fait des victimes. Il pourrait traumatiser Starsky et Hutch. Il sort les flancs, lui, il fait un Ori Clutch. Eh, hey, ils sont trop forts. C'est abusé. Non, franchement, c'est trop. Eh, hey, ce que vous savez pas là, c'est qu'ils ont même pas eu 30 secondes de préparation. J'y aurais mis la pression, je leur ai mis des mots de ouf. Rien à faire, même pas déstabilisé. Oh, tranquille. Tranquille. C'est assez chaud. Tranquille. Bon voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. On se retrouve ici au Théâtre de République, exactement là où Oda et Dako jouent leur spectacle du jeudi au samedi. Donc n'hésitez pas à aller checker, je mets toutes les infos dans la description. Voilà les gars, merci franchement pour votre participation. J'ai kiffé. Voilà YouTube, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Attends, la vidéo elle est finie là? Bah ouais. C'est la fin, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu nous as mis à l'amende en freestyle foot, et genre nous on peut pas te mettre à l'amende en freestyle rap. Bah c'était pas prévu à la base. T'as un petit tableau qui t'attend. Wouah. T'as des petits mots sympas pour toi. Non mais attends. Parce que sans le ballon, qu'est-ce que tu donnes? Ah mais tout le monde sait jouer au foot, mais tout le monde ne sait pas rapper. Bah on va le voir, c'est ce qu'on va voir. On va voir ça tout de suite. Bah vas-y hein, on va essayer. Tu vas devoir dire les mots flick up, tour de l'Algérie, Oda et Dako, danse du canard, foot et impro et MC Sian. Non mais c'est impossible, je peux pas les dire les six. T'es prêt ou t'es pas prêt? Non, je suis pas prêt du tout là. Attends. On va pas faire ensemble normalement. Non. Allez salaud. Ok. Je sais pas quoi dire, yo. Ok. C'est Céane Garnier et je vais vous faire un tour de pied. Je suis ici et je commence par mes shows. Ah j'arrive pas, c'est tout. Lâche pas. Allez. Ok, c'est Céane Garnier, mon taf c'est le freestyle, mais aujourd'hui je dois faire une impro. Celui qui m'a dit de sortir des mots, c'est bien sûr Oda et Dako. Le deuxième, il arrive, t'inquiète, on va essayer. Quand je freestyle, je fais des tours du monde, et je fais aussi des petits ponts de... C'était nul, je sais, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse la danse du canard. Deux, ça passe. Ça passe, on a deux. Hein. Tu vois, j'ai fait du freestyle basket, mais normalement moi je fais du freestyle football. On est là, posé, et mon but c'est de faire du foot et de l'impro. Ça passe. Ça y est, j'ai changé. On m'appelle Céane Garnier, mais maintenant mon taf il a un peu changé. Yo, je suis en train de m'afficher, mais c'est pas grave. Quand je commence un show, je fais toujours le tour du monde. Ah ouais, j'arrive pas, putain, attends. Du coup, c'est impossible. Les trois derniers, Céane, il va les gérer, on va le faire avec lui. Il est là, Céane, il se pavane, il fait des flip-flops toujours à la Zlatan. Quand il arrive dans le stade, c'est la folie. Il arrive même à faire le tour de l'Algérie. Oh, c'est le champion du monde de freestyle. Oh, encore plus chaud que dans Piégé de cristal. Oh, vous allez voir le gars au top du top. Sans ce, c'est le Céane flick-up. Ah, je te l'ai dit, avec lui, tu peux pas tester. On sait bien que lui en foot, c'est le best. Je te l'ai dit, c'est le number one. Et son nom de rappeur, c'est MC Céane. Bam. Ah, ok. T'as pas le droit à une note. T'as même pas le droit à une note. J'étais pas prêt du tout à un test de 6 mots, c'était pas possible. On était censé faire un mot chacun, là j'étais pas prêt du tout. Là je suis pas bien. Là vous m'avez tué. Bon, okay. J'avoue, je vous ai mis des petits mots, vous m'en avez mis un aussi. Normal. Ce que je propose, c'est que je m'entraîne. Mais vraiment, que je m'entraîne. Nous aussi on s'entraîne de notre côté. Voilà, et on refait une revanche. On fait une revanche. Ok, ça vous dit à YouTube, on se met un maximum de pouces bleus. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Des mots de rap que j'enverrai à Oda et Dako. Peut-être qu'ils vont nous faire un freestyle dessus pour la prochaine fois. Allez. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. La YouTube, c'est pas fini. Si vous mettez plus de 10 000 pouces bleus, je vous promets un clip officiel de Oda et Dako avec Céane et peut-être la Team S3 avec le rap qu'ils ont fait dans ce challenge, ok? Également, mettez-moi en commentaire les meilleurs commentaires que vous pouvez sortir parce que Oda et Dako, gentiment, ils vous offrent 2 places gratuites pour aller voir leur spectacle au Théâtre de la République. Je vous promets, la YouTube, je vais m'entraîner au rap. Mais pour ma défense, je voulais dire que le premier essai qui avait été tourné un peu plus tôt était beaucoup plus convaincant de ma part. Mais il y a eu un problème de micro, donc j'ai tourné une dernière fois et ils m'ont bien eu parce qu'ils m'ont fait faire tout les mots, mais c'est parti remise parce qu'il y aura forcément une partie 2, mais là ça dépend de vos likes, la YouTube, ok, et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.